Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Bardiani. Alors, la Bardiani qui a changé de nom désormais, c'est Green Project Bardiani CSF Faisané. Donc, on a rajouté un sponsor avant les précédents, ce qui fait que le maillot va changer de couleur. On en parlera lors de la présentation du maillot 2023. Mais si vous avez cliqué sur la miniature, vous avez déjà dû voir le nouveau maillot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous pensez ce que vous pensez que cette formation est capable de faire l'année prochaine, de parler de l'effectif, des coureurs à suivre. Quel coureur vous allez suivre. Et puis n'hésitez pas également à aller voir les playlists également, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, sauf petite feinte de la part de YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir TikTok et EPS 2.0 sur Spotify. On commence tout de suite la saison 2022 de la Bardiani. Bah, c'est plutôt pas mal parce que c'est pas un effectif si énorme que ça en termes de talent. Et ils font quand même un score qui est assez proche des Holo Cometa sans avoir Fortunato, sans avoir Albanese, qui sont quand même deux très bons coureurs du côté des Holo Cometa, mais en ayant beaucoup plus de collectif. Je trouve qu'Eolo Cometa, ils sont qu'à 15 points hein, d'Eolo Cometa, donc eux, ils sont 30e au classement UCI. Et chaque année, Bardiani est assez proche, j'irais, bon, à part certaines années qui ont été excellentes. Il y a eu deux années vraiment qui sortent du lot où ils étaient à 24, 25 victoires, mais souvent quand même, ils sont dans ces niveaux-là de résultats. À part en 2020 où c'était un peu pété la gueule, en 2019-2020 ça avait été un petit peu compliqué, mais c'est quand même une équipe qui arrive toujours à avoir des résultats alors qu'elle a rarement un gros effectif, mais vous avez des coureurs qui sont valeureux et puis qui s'imposent. Alors c'est des victoires sur des courses qui ne sont pas les plus grandes courses de la saison, ça c'est clair et net hein. Mais ça leur permet d'avoir des points. C'est vrai que c'est une équipe qui court beaucoup, qui court rarement sur les World Tour, pas mal de fois quand même sur des plus petites courses, mais ils ont un calendrier de course qui est toujours très chargé, cette formation, et ça leur permet d'avoir des résultats, et ça s'est plutôt bien passé cette année pour eux. Ça a été plutôt une saison intéressante, notamment avec la victoire sur l'Adriatica et Nicares, également la 5e place de Fiorelli sur la Bretagne classique. Voilà, en termes de résultats, j'ai pas grand chose d'autre à dire, à part que voilà, vous avez un beau collectif qui fait du bon travail, et puis ouais, non, c'est un beau collectif, une belle formation. Voilà, il se donne au maximum. Ça, c'est vraiment très intéressant. On poursuit. Donc, cette victoire sur l'année, les victoires 2022, et ben, la Bardiani se retrouve 41e, voilà, 40e même, précisément. Ils sont avec l'équipe Astana. Ils sont devant Androni Giocattoli. Ils sont pas très loin de Cararural. Et de Uno X hein, qui a 10 victoires, donc ils sont vraiment plutôt dans le haut du panier en termes de nombre de victoires. Alors pourquoi en termes de points ils sont en dessous? Parce que c'est sur des courses inférieures en termes de niveau de calendrier. On passe du côté des victoires, du côté de la Bardiani. 7 victoires, la première c'était au Grand Prix Alagna, c'était avec Alessio Martinelli. Le trophée au Piva pour Martin Macelluzzi, c'était au mois de mars, au mois d'avril, pardon, plutôt. Il y a eu la 4e étape pour Alessio Martinelli de la Carpathian Courier Race in Memory of Warclaw Felczak. C'est en Pologne. Il y a eu également pour Martinelli la victoire sur le Grand Premio Industrie del Marno. Filippo Zanna lui a remporté l'Adriatica Ionica Race. Il y a eu Filippo Zanna qui a remporté le championnat d'Italie sur route. Et Filippo Fiorelli, vainqueur de la première étape du Sibiu Cycling Tour. Ce qui fait que cette victoire, eh ben, on est donc à égalité avec 2021.
Et on est plutôt sur la moyenne que cette formation a réalisée depuis le début, depuis sa création en 1984. Donc c'est l'une des plus anciennes équipes de cyclisme professionnel qui a conservé la même structure, ce qui est vraiment très impressionnant aussi de ce côté-là. Du côté des transferts, eh bien, il y a quand même quelques changements parce qu'on a eu des départs à la retraite, notamment Giovanni Bisconti, Sacha Modolo. Ça, c'est triste, un coureur qui, je pense, n'a jamais exprimé tout son talent. Et puis Thomas Tranini. Départ également de Philippe Ozzana qui rejoint Jaikko Halula. Enrico Bataglin, lui, n'a pas trouvé de point de chute, comme Jonathan Canaveral. Et puis Fabio Mazzucco, lui, a rejoint MJK Viscolor for Peace, qui est une équipe italienne de Continental. Visconti, il avait pris sa retraite, pour ceux qui s'en souviennent, c'était au mois de mars. Et Tranini, il a pris sa retraite, lui, au mois d'avril. Parmi les arrivées, on a Riccardo Luca, Mattia Petrucci. Alors, Riccardo Luca, c'était de Work Service, Viltaker Vega. Petrucci, c'était de la team Colpack-Balan. Aevolo pour Jared Scott, l'Américain. Filippo Magli, Luca Paletti, Lorenzo Conforti et Matteo Scalco, eux aussi arrivent, mais ils n'étaient pas dans des équipes professionnelles. Ce qui fait que Gwyn pour Jack Bardiani, CSF Faisané, a désormais 26 coureurs, ce qui est quand même beaucoup pour la deuxième division, parce que c'est égal à la Total Energy et à l'Auto Destiny aussi, qui sont à 26 coureurs. Uno X est à 28. Et c'est même un coureur de plus que Total Energy qui est à 25, et Israël est à 29, parce qu'Israël, ils n'ont pas compris qu'ils étaient en deuxième division, mais ils ont un calendrier qui est très proche du World Tour. Mais vous voyez, voilà, c'est un gros effectif quand même de deuxième division, surtout pour une équipe qui certes va faire des épreuves World Tour, parce qu'ils vont en faire quand même pas mal, mais qui n'est pas assurée de participer aux trois grands tours. Même s'il y a trois équipes italiennes, on va dire, ils ont quand même de grandes chances, mais quand même, qui n'est pas assurée non plus d'aller sur, enfin voilà, qui ne fera pas un autre grand tour sur l'année. Donc c'est assez surprenant d'avoir autant de coureurs dans l'effectif. Le plus jeune, c'est Matteo Scalco, enfin il y en a trois qui ont 18 ans, ça c'est aussi extrêmement rare. Scalco, Paletti et Conforti. Le coureur le plus âgé, c'est Alessandro Tonelli qui a 30 ans. Donc on est sur un effectif qui est très jeune, car 19 coureurs sur les 26 de l'effectif ont moins de 25 ans. Et surtout, 6 coureurs ont moins de 20 ans. Et là, c'est compliqué. Même Kern Pharma n'arrive pas à faire aussi bien, on va dire, au niveau de cette statistique. Parmi les coureurs à suivre pour l'année prochaine, je commence avec Davide Gaburo. Quand on finit une étape du Giro deuxième, derrière Thomas De Rent dans une échappée, on peut dire qu'on a un certain talent. Ce jour-là, Gaburo était très, 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 très fort. Il a fait plutôt un beau Giro, même. Hein, on l'a vu plusieurs fois en échappée. Il a pris la quatrième place également à Trévise, 12e à Gênes également, 13e à Scalea. Donc c'est plutôt des bons résultats. Il finit même 11e du classement des sprinteurs, du classement par points. 10e du Tour de Slovénie également, parmi les résultats. Bon, c'est un très bon baroudeur, mais est-ce qu'il ne pourrait pas faire un peu plus que seulement baroudeur? Tu vois, ça c'est des questions qu'on peut se poser, parce qu'il a 29 ans, donc il peut encore progresser dans certains domaines. Moi, je trouve qu'il est quand même pas mauvais en côte. Sur des courses de 4-5 jours, ça peut être un profil intéressant, Gaburo. Surtout qu'il a des grandes capacités de résistance au niveau physique. Donc, un Gaburo qui serait, dans les années à venir, coureur dans des formations comme... enfin, qui serait coureur, pardon, plus grimpeur, ça pourrait être intéressant. Dernière année de contrat pour le moment, du côté de la Bardiani. Là aussi, hein, il pourrait être intéressant pour d'autres formations que la Bardiani. Q36.5, Tudor, même en France, ça pourrait être un coureur intéressant dans certaines formations. Donc, c'est un coureur, je pense, qui va se montrer. On va le voir, Gaburo. Je pense que c'est un coureur qui peut faire des très belles choses, voilà,
dans les mois à venir et qui pourrait être un coureur qu'on se bat pas quand même, mais voilà, où il y aurait quand même une petite bagarre pour aller le chercher au niveau du World Tour. Luca Covilli, bah là également, 25 ans, profil très intéressant, grimpeur. Lui, il a déjà montré ce qu'il valait sur l'Adriatica Unicares où il a pris la quatrième place du général, 9e également du Sasca Tour, 5e du classement des jeunes du Tour du Limousin, 24e du dernier Giro, ça aussi, en étant 5e également du classement des jeunes de cette course-là, et 15e du général du Tour d'Oman, 9e du classement des jeunes de cette course. Parce qu'il y avait énormément de jeunes dans cette course au départ. C'est plutôt bien ce qu'a fait ce coureur. Lui, il a eu une carrière assez surprenante parce que il avait commencé en 2017, ça s'était pas bien passé. Donc il a rejoint la Bardiani en 2019, après être passé une année du côté des amateurs. Et c'est vrai que chez Bardiani, les premières années n'étaient pas folles, mais les dernières, il s'est vraiment bien relancé. Donc ça c'est vraiment très intéressant et c'est un tout petit, enfin lui il est vraiment tout maigre comme coureur Covidi. C'est un peu comme ça qu'on arrive à le remarquer dans le peloton parce que c'est vraiment une puce parce que 1m80 58 kg, je pensais même qu'il était un peu plus lourd que ça, mais 1m80 58 kg, 58 kg c'est le poids de Pidcock. Pidcock qui doit faire 10 cm de moins. Et on ne peut pas dire que Pidcock ça soit un Jean-Claude Barraque quoi. Donc c'est En montagne, c'est forcément intéressant. Alors forcément, quand tu es sur un poids aussi léger, bah, en contrepartie, tu es moins puissant que d'autres coureurs. Forcément, sur le chrono, c'est un désavantage. Sur le plat, c'est un désavantage parce que tu es un peu un asticot, on va dire. Mais en montagne, bah, moins tu as de poids à déplacer, plus c'est un avantage. Même si il faut enfin, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi des questions de rapport poids-puissance. Lui, il pourrait peut-être faire 2-3 kilos de plus, ça gênerait pas énormément en montagne. Mais c'est un coureur voilà, qui a fait des très bonnes choses sur des étapes difficiles. Sur le Giro, bah, il fait quand même 6e à Cogné. On l'a vu plusieurs fois dans des échappées. Donc, c'est un coureur voilà, qui fait quand même top 30 du Giro. Alors, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même intéressant. Surtout dans une équipe comme la Bardiani, on n'est pas sur une équipe qui a tendance à avoir des grands coureurs qui jouent le général. Donc je trouve que l'année de Covidi, elle est vraiment bien. Et là aussi, c'est un cours que j'attends de suivre en 2023 parce que il aura 26 ans, un peu plus d'expérience. C'est pas toujours facile de confirmer quand on a fait des bonnes saisons. Donc faudra voir comment il arrive à s'en sortir l'année prochaine. Enoch Mouloubram, érythréen. À une époque, il fallait avoir un Colombien dans sa formation. Maintenant, il faut avoir un Érythréen. Il y a des modes comme ça. Quand il fallait un Colombien, c'était au début des années 2010. Toutes les équipes avaient des Colombiens. Érythréen qui a commencé chez NTT, l'équipe continentale, qui est passé chez Bikehead, mais pas très longtemps. Il a fait 3 mois chez Bikehead. Et puis ensuite, il a rejoint la Bardiani, champion d'Afrique en titre du contre-la-montre sur route. Et également 5e du tour du Rwanda l'année dernière, 6e du tour d'Antalya, ça c'est encore plus intéressant, et puis 7e d'une étape de l'Adriatica Unicares, c'était l'étape de Brisghella, 4e des championnats d'Hérité du contre-la-montre, 6e de la course sur route aussi. Donc c'est un coureur qui progresse, pas toujours facile de changer de formation au cours d'année, mais ça veut dire qu'on considère que vous avez des qualités. Puncher sprinter, ce qui est un peu le profil qu'on retrouve le plus géré en Érythrée. Donc c'est un peu on va dire facilement un profil à la Guirmay, parce que c'est un, voilà, c'est un, je dirais qu'il est un peu plus puncher que sprinter lui. Pas mauvais également sur le chrono du côté de Mouloubram. Donc c'est un coureur à suivre dans les années à venir parce que il a des talents, il a du talent. Pour l'instant, bon voilà, c'est un coureur qui n'a pas eu la chance peut-être d'un Guirmay, il n'a pas été repéré extrêmement jeune, mais la Bardiani peut être vraiment une bonne équipe pour lui si c'est bien acclimaté pardon, à cette formation. Ça peut être vraiment bien pour lui dans les mois à venir. Moi, je pense que c'est un coureur qui mériterait vraiment d'être leader sur des classiques, des semi-classiques italiennes.
que c'est un profil qui peut vraiment faire des très très bons résultats, surtout que bon, bah, ils ont perdu un petit peu des bons coureurs dans ce domaine-là. Je pense notamment à Sacha Modolo. Lui, ça peut être très fort. Et puis je termine avec Matteo Scalco. Il fait partie des trois coureurs qui ont 18 ans dans cet effectif. Matteo Scalco, c'est quand même 14e des derniers championnats du monde junior sur la course sur route. C'est vainqueur du trophée au Buffoni. 4e des championnats d'Italie sur route junior, 6e du contre-la-montre. Et puis, pas mal de bons résultats. 5e du Giro di Primavera, 22e de Grand Vigeliem, également junior. 15e des championnats d'Europe junior. Coureur en plus qui n'a pas énormément d'expérience. Hein, c'était... enfin, sur Pro Cycling Stats, il a seulement des résultats depuis 2021. Donc, c'est un coureur qui est très intéressant parce que, oui, il a 18 ans depuis le 25 juin. Donc, c'est assez récent quand même. Et donc, c'est un coureur qui a vraiment des belles qualités, je pense. Donc, c'est un coureur qu'il faudra suivre. Alors, après, la question est de se poser, est-ce que 18 ans, c'est pas un peu jeune pour passer professionnel en deuxième division ? Voilà. Parfois, le temps n'attend pas. Parfois, c'est un peu différent. Hein. Des fois, il faudrait peut-être attendre un petit peu. Mais c'est un coureur qui, je pense, a des qualités. 14e des championnats du monde, c'est quand même bien. Surtout que je ne suis pas sûr que c'était le parcours qui lui convenait le mieux. Si on compare au trophée au Buffoni. Alors, j'ai peut-être pas de profil. Oui, j'ai pas de profil sur le trophée au Buffoni, bien entendu. Mais c'est vu qu'il s'est imposé en solitaire, c'est que ça devait pas être une étape plate, hein, ça devait pas être une journée plate. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça donne ce coureur-là dans les années à venir, de voir s'il est capable de faire des très très bons résultats dans la suite de ses carrières, puisque c'est vraiment le type de coureur qui peut être intéressant. Et puis la Bardiani, c'est bien de rajeunir l'effectif. Alors après, il faut faire attention de rajeunir l'effectif, mais de conserver des résultats. Mais on sent qu'il y a un renouveau un petit peu du côté de la Bardiani. On change un peu la stratégie. On a l'impression qu'on a récupéré des moyens en plus. Donc c'est vraiment une équipe qui peut faire des bonnes choses. Après, faire attention parce que les Green Progen, Drone Hooper, voilà. Parfois, c'est des sponsors qui se cassent la gueule aussi au bout d'un an. J'espère qu'ils n'ont pas trop investi l'argent que leur a donné le sponsor. Du côté de la Bardiani, eh ben on change des couleurs. Avant, c'était le violet qui prédominait sur le vert. Désormais, c'est le vert qui prédomine sur le violet. Le violet ne le retrouvera que sur les manches. Et puis, un petit peu de blanc, bah, ça fait du bien. C'est un vert qu'on voit plus dans les pelotons. Comment on va les remarquer du côté de la Bardiani? Et c'est vrai que le maillot est quand même... Les couleurs s'accordent un peu mieux qu'avant, le violet vert, où c'était un peu violent, un peu moche même. Auparavant, bah là, ça va être un peu plus... un peu moins choquant à l'œil, je pense, du côté de cette équipe. J'espère que vous avez aimé cette présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !